Eh bien, salut à tous les amis, c'est Gamma, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le serveur Pandac MC. Eh bien, les amis, donc, sur ce serveur, donc c'est un serveur PvP faction Farm to Win Vanilla en 1.8. Et du coup, on est parti, je pense, pour une petite série dessus. Donc, pour commencer, je suis dans une faction, donc, elle s'appelle la Prophétie. Donc, je suis avec pas mal de potes à moi, donc on est là pour une petite aventure sur le serveur. Donc on est parti. Dans cette vidéo, donc les amis, le thème sera le farming. Donc on va aller tenter de rush le baltop au plus vite. Actuellement, donc là, je vais vous réactiver mon petit chat tout de suite. Mais si je fais un petit slash monnaie, vous pouvez voir que je suis à 7539. Donc j'ai farmé un tout petit peu de monnaie pour tester un peu l'économie. Donc actuellement, on a une farm à cactus juste ici qui n'est pas trop fonctionnelle, qui est en train de se créer. Et on a une petite farm à canne à sucre qui est quand même assez grande pour l'instant, qui va me permettre déjà de farm quelques stacks pour commencer à me faire un peu de monnaie. Au niveau de l'économie, donc je vous l'ai montré pour les farms, comment ça se passe. Donc c'est pas ici, donc farming. Donc le cactus, ça vend 1,5$, enfin euro, et 5 euros pour les cannes à sucre. Donc l'avantage, c'est que, en plus que ce soit une farm automatique, on a une farm manuelle juste à côté. Et puis ce qui est bien aussi sur le serveur, c'est qu'on pourra toujours investir grâce au slash invest. Donc une technique, donc vous mettez par exemple, vous investissez 3000, vous allez dans la zone, vous pouvez gagner 5000, pas 6000, 12000. Donc en gros, ça permet de doubler votre monnaie. Comme vous pouvez le voir, donc ça peut aller jusqu'à 40000 et vous faites 80000 pendant 12 heures. Donc voilà, donc déjà par rapport à ça. Bon, du coup, ce qui va se passer, donc là, je vais aller farm un petit peu de canne à sucre avec vous pour vous montrer un peu la rentabilité. Donc là, dans ma petite farm, donc là, il y a déjà quelqu'un. 430, donc c'est go buy. Donc voilà par rapport à ça. Bon, nous on va se mettre à farm un peu la canne à sucre pour que je vous montre un peu combien ça rapporte. Donc là, les farms sont pas toutes full, donc je pourrais pas vous montrer à 100% combien ça rapporte réellement et combien ça pourra me générer d'argent. Ça va pas me générer plusieurs millions, mais ça a déjà me généré une certaine somme de monnaie. Je pense pour le futur. Donc on va se baser je pense sur allez, peut-être une demi-heure de ferme. Donc là actuellement 14h15 et du coup je vais me laisser jusqu'à 14h45 pour farm. Du coup bah, pour donner une demi-heure pour toutes ces cannes à sucre et voir combien je peux rapporter. Bien sûr pendant une période il y a risque de plus en avoir, donc il va falloir que j'attende que ça repousse. Donc là comme vous pouvez le voir, ça n'a pas tout repoussé. Donc voilà par rapport à ça. Bon les amis, on se retrouve juste après, à tout de suite. Bon les amis, me revoilà après la petite demi-heure de farm. Bon, je commence un petit peu à avoir mal au doigt car ça fait un peu mal à force de faire que d'appuyer sur ma touche. Enfin bon, là ça fait une petite demi-heure, donc en une demi-heure j'ai récupéré un DC plus à peu près 5 lignes, presque 5 lignes, 4 lignes et une demi de canne à sucre. On va regarder tout ça, combien ça représente en une demi-heure, combien on peut se faire. Et on va comparer d'ailleurs avec le slash invest, donc on va voir si une farm manuelle, combien ça rapporte. Donc en une heure je peux obtenir, donc on va dire que ça fera 2500 si on investit pour une heure. Donc là on va regarder combien je pourrais obtenir. Donc si on se base sur 2500, je sais qu'on va avoir largement plus. Donc on sait déjà 10 800, ok, 10 880 plus encore une fois 10 880, on est à 20 000 21 000, on est un peu plus de 21 000. On a à peu près, tac, farm, on va vendre tout ça. On a à peu près, ouais, 30 000. Donc on a à peu près, ouais, c'est ça, on a 30 000, à peu près 30 000 euros de farm en une demi-heure. Donc c'est vraiment ultra, ultra rentable. Donc c'est-à-dire que c'est comme si je pouvais farm, je pense, allez, c'est l'équivalent, 30 000, j'ai dit. Donc c'est à peu près 6 heures d'invest, on va dire ça comme ça. Pour 15 000, ouais, donc c'est à peu près 6 heures, faut que je double. Non même pas, ça fait un peu plus, on doit être pas loin d'entre 6 et 12 heures à vrai dire, sachant qu'après à côté il y a dû avoir la, peut-être la farm à cactus qui a dû farm à côté, un petit peu de monnaie. Je vais regarder s'il n'y a pas un endroit à la récupération, tac, on va descendre tout en bas, on va regarder un peu de ça, j'ai quelques, vous pouvez voir que j'ai quelques cactus, bon j'en ai pas énormément, mais du coup c'est vraiment extrêmement bien d'avoir fait 30 000$ en quelques, je vais pas dire en quelques minutes, car ça m'a pris quand même pas mal de temps. Mais du moins en une demi-heure avoir farm autant de monnaie, c'est vraiment très 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 bien.
Du coup, ça pourra me permettre déjà d'acheter, pourquoi pas dans le futur, quelques petits trucs à la hache, si jamais j'en ai besoin, que ce soit des T5, des T6, etc. D'ailleurs, je voulais pas montrer. What? Unbreaking, enchantement, level 100, c'est quoi ce bordel? What the fuck? C'est trop pété en vrai. Hein. Mais ouais, du coup, je disais que du coup, grâce à mon grade de YouTuber Plus, pour l'instant, si dans le futur je suis pas mal de vues, je pourrais peut-être avoir levé grade Famous, mais du coup, ça m'a permis d'avoir un petit Pikachu 3 avec une petite T5, pas mal de cookies, quelques œufs de creep, quelques pommes chi, quelques punch. Du coup, voilà, franchement, c'est ultra bien. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour au niveau de ça. On va regarder, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais je vais peut-être vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a fait déjà sur le serveur. Donc, déjà, on a une petite forme à cactus ici, la forme à canne à sucre. Je ne vous ai pas tout montré d'ailleurs au début de l'épisode, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Comme je vous l'ai dit, ici on a quelques spawners à squelettes comme vous pouvez le voir, donc on a vraiment pas mal de squelettes, donc il n'y a pas de mob stacker à ce que je vois. Mais du coup, on doit avoir quelques spawners là-haut. Ici on a quelques coffres, bon là c'est mes coffres pour la vidéo. Ici on a quelques petits trucs ici. Et je me TP à la BB qui est, je crois qu'il y a Vendors, Buta, donc Xertus, qui sont là-dedans pour l'instant, donc si je dis pas de bêtises. Donc là on a quelques popos, par-ci, par-là. Bon, ça c'est vraiment l'équipement d'Arien. Qui donne masse popo, est-ce que je vois? Je trouve que c'est un peu pété d'ailleurs que l'équipement d'Arien nous donne à chaque fois des popos. Je pense qu'ils vont, je sais pas qu'ils vont le régler, normalement c'est censé être réglé parce que avoir plusieurs. Comment dire? Je sais pas comment vous expliquer, mais du coup, avoir plusieurs popos dans le genre, ça me permet de pas éviter d'avoir un kit potion ou autre. C'est un peu trop pété à mon goût d'un côté. Ça équilibre aussi d'ailleurs avec les personnes qui payent sur le serveur, etc. Du coup, voilà par rapport à ça. D'ailleurs, on va regarder si avec 30 000 euros on peut acheter un truc ou si ça me permet de bientôt acheter un truc. On va regarder donc le plus petit Graal est à 1 million. D'accord, le chevalier, légendaire, dieu, ok. Après, au niveau des kits, donc on a le kit explosif. Pomme et explorateur, ok. Les points classement, donc là, je trouve que c'est un peu nul d'ailleurs. Le point classement, c'est un petit désavantage. Après, c'est le choix du serveur au niveau du développement. Que en fait, vous achetez, vous devez attendre que Jean Mouloud soit là. Vous devez aller les contacter pour utiliser votre point classement. Je vous montrerai ça juste après. Vous pouvez acheter quelques spawners. Donc, je pourrais acheter si je veux un petit spawner à cochon. 10 points de crête. Oh là, c'est vraiment un petit cancer, ça, à vrai dire. Mais du coup, on va pas faire attention. On va faire un slash warp classement. Tout de suite pour que je puisse aller vous montrer. Hop. T'as comme si, du coup, lui il met un petit panneau. Donc là, par exemple, top 5, God, face, etc. Plus vous mettez des points, du coup, ils vont modifier. Comme vous pouvez le voir, voici le classement en faction. Pour avoir des points, ça, j'ai bouti 95 unités de bandage, c'est trompé. On va gagner un des events, 3 points à chaque event, plus la clé du serveur. Pour dépenser vos points, veuillez MP Jean-Mouloud sur Discord ou in-game cordialement la direction. Et du coup, la meilleure fac c'est la multifruit, donc c'est-à-dire qu'ils ont investi plus de 3 500 000. Donc je pense qu'ils doivent avoir une grosse grosse farm. Au niveau de l'économie, on n'a pas regardé, mais comment elle était basée. Je sais pas comment on pourrait vraiment se mettre au niveau de l'économie si c'est vraiment les farms à cactus et qu'il faudra en faire une grosse, mais vraiment une très très grosse. Je pense que je vais bientôt en faire une grosse farm à cactus vraiment. Ultra compact, donc on va se lancer sur ça d'ailleurs dans les prochains épisodes. Et je crois que j'ai fait un petit peu le tour sur le serveur. Et bien, vous savez quoi, les amis, vu que c'est notre première vidéo sur le serveur, je vais vous faire gagner quelques points boutique. Aujourd'hui, je vais vous faire gagner 100 points boutique sur le serveur, donc bien sûr, qui me sont financés par le serveur. Donc voilà, grâce à cette vidéo. Donc, pour gagner ces 100 points boutique, il suffira juste de mettre votre pseudo en commentaire ainsi que de liker la vidéo et être abonné. Vous mettez aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé à la vidéo, une proposition de vidéo que je pourrais faire sur le serveur, que ce soit PVP ou autre. Je pense qu'on pourra faire des gros PVP avec toute la faction et que ce soit même d'autres pièges. Donc voilà, bon, je vous dis ciao les gens, à la prochaine, c'était Gamma, participe au concours, allez, salut!